Bien, bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à créer notre premier site avec React. Donc avant ça, un minimum de base est requis en JavaScript et en HTML et CSS. Donc si vous êtes complètement débutant, je vous recommande des formations que j'ai faites sur le sujet pour euh, voilà, pouvoir être plus à l'aise quand vous allez faire du React. Donc tout d'abord, on va choisir l'emplacement du dossier. Moi je vais aller le chercher dans Downloads. Maintenant qu'on y est, on va donc exécuter notre commande pour initialiser le projet React. Donc NPX Create React App. Et on choisit le nom euh, du projet. Donc moi je vais tout simplement l'appeler premier site React. Vous appelez ça comme vous voulez. Et maintenant, il est en train de nous créer donc le projet qui contiendra euh, tout ça, notre module, etc. Et voilà, au bout d'une une minute, un hein, grand max, la création est terminée. Donc maintenant, on peut aller ouvrir VS Code. Donc raccourci, code. Et ensuite, le nom du dossier. Donc premier site React. On entre et voilà. Donc comme on peut le voir ici, on a notre module. Ça ne va pas se préoccuper. On a euh, public, source. Et donc, c'est source qui va nous intéresser. Donc premièrement. On va faire CTRL J pour avoir le terminal. On va entrer donc la commande npm start pour lancer d'abord le site. On va voir d'abord à quoi ça ressemble au tout début. Et là, comme on peut le voir, on a déjà un site de départ. Mais bien évidemment, on va remplacer ça. Donc d'abord, ici, on voit qu'on a pas mal de choses, mais on n'en a pas besoin. On va pouvoir supprimer pas mal de choses. Donc setup machin, web vital, logo, app.test, app.css même. Donc là, vu qu'ils sont appelés à l'intérieur, on va devoir les enlever aussi. Logo, on l'enlève. D'ailleurs là vous voyez ils utilisent les anciennes fonctions donc si on veut voilà on peut remplacer faire une fonction fléchée voilà donc euh, pour tout ce bordel on va détailler ça un peu dans, dans quelques secondes mais euh, pour l'instant voilà ça on peut l'enlever on garde juste app vide voilà juste euh, deux divs ça on en a pas besoin ça on en a pas besoin du coup ça non plus ouais, il nous reste encore un truc euh.css ouais voilà ça on en a pas besoin non plus et voilà maintenant on a un projet à peu près vierge non même pas il en reste dans le index.html. Donc là, vous voyez là, ce, ce, ce fichier là, c'est le plus important. Index.html. C'est celui qui sera lu donc. Et euh, voilà, à l'intérieur de route, il va, il va tout remplacer. Parce que si vous voyez ici, dans index, euh, il s'en sert ici de, de route. Donc, on va le laisser. Robot.txt, on n'en a pas besoin. Les logos, là, on n'en a pas besoin. Favicon on peut le laisser. nos script, on s'en fout. Les commentaires là, on s'en fout. Et voilà, on peut mettre le titre aussi. Donc euh, Premier site, React. Et voilà, c'est modifié ici. On est bon. Et voilà, d'accord. Maintenant, donc, il ne nous reste plus que ça. Donc là, vous voyez ici, c'est là que vont être installés tous nos modules, nos dépendances, etc. Public, c'est là qu'on a... Là, on ne va pas y toucher. Hein. Ça, euh, en temps normal, on aurait pu mettre nos images ici, mais ça, on ne va pas s'en servir. Enfin, on va, ne va pas y toucher, en tout cas, public. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est le dossier SRC. Donc, c'est là-dedans qu'on va pouvoir créer nos différents composants, etc. Donc, vous voyez à Quoi va nous servir React React, ça va nous permettre de créer des interfaces de manière assez simple. Bon, certains disent que c'est une librairie. c'est pas vraiment une librairie, mais en gros, vous voyez, si jamais, ici, vous voyez, on a par exemple, pour imaginons le feed d'Instagram, on a donc ici un poste. Ok. En dessous, on a un autre poste. Et en fait, on voit que c'est à peu près la même structure, par contre. On a toujours euh, l'image ici, le nom de, de, de l'auteur là. Là, on a euh, les, les photos. On a ici les boutons like, etc. Et on voit que c'est à peu près la même chose partout. La seule chose qui change dans tous ces différents posts là, c'est euh, le contenu. C'est euh, ici, donc euh, la photo de profil avec euh, le nom du, du, du créateur. On a le poste, etc. Mais sinon, on voit que c'est à peu près toujours la même chose. Donc, simplement, ce qu'on va pouvoir faire avec React, c'est qu'on va créer une seule fois la structure du poste là et ensuite, on aura juste à le remplir avec différentes images, etc. On n'aura pas à avoir à chaque fois, par exemple, un div dans lequel on a img, ensuite là on a un, par exemple un h3, euh, etc. On va définir ça une seule fois et on va appeler toutes structure toute ces structures là, toutes tout cet ensemble de, de balises HTML. Donc on a des img, euh, on, a, on a des boutons, etc. Toutes ces structures on va l'appeler par exemple post. Et ensuite on aura juste à ré réutiliser donc, la structure qu'on a créée, post, et à remplir donc avec les différents euh, éléments qu'on va mettre à l'intérieur. Parce que sinon on va juste avoir euh, plein de fois la même chose. Euh, de fois les mêmes tags ça ne sert pas à grand chose simplement on va créer une structure donc c'est le composant donc voilà donc là instagram donc est créé euh, avec react si on jette un oeil donc euh, à l'extension donc quand vous installez react developer tools vous avez donc un nouveau menu qui s'affiche components et là on peut voir donc il va nous décomposer donc toute, toute la structure tous les composants qui sont créés pour créer donc euh, l'interface d'instagram donc là c'est pareil hein, pour les stories on peut créer une fois le composant story et ensuite on a juste à remplacer avec l'ombre Mozart, nos l'image, etc. Et là pareil, on a un composant pour le bouton et on a juste à remplacer le texte pour dire que là c'est accueil, le logo ici et le lien vers lequel ça renvoie. Et voilà. Donc c'est ce qu'on va apprendre à faire. On peut donc retourner euh, sur, euh, sur notre éditeur de texte. Donc en gros, pour créer nos composants, il euh, faut juste dire que le app.js là, c'est un peu le, le, le regroupement de tous de, 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 de nos composants. C'est. Euh, c'est ça la, 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 le cerveau, si vous voulez. Donc, tout ce tous les composants qu'on va faire, sachant qu'on peut faire des composants de composants. Par exemple, on peut faire un composant euh, pour le poste et ensuite faire un plus grand composant. Où on a tous les postes et on appelle ça feed, par exemple. Ou du coup, on aura à l'intérieur euh, plein de, de, de sous-composants poste. Donc, si pour l'instant, c'est un peu abstrait, on va comprendre donc, euh, avec la pratique. Donc, premièrement, on va créer d'abord un dossier composants. On va appeler ça en anglais components. Vous voyez, il a reconnu le nom à l'intérieur, on va commencer par créer un premier composant qu'on va appeler header. Euh, donc euh, oui, par convention, on met des, des majuscules au début quand on fait des composants. Et là, on a un raccourci RSC qui va nous créer donc tout. Vous le... voyez là, c'est à peu près la même structure. Bon, ça, ça simplifie un peu les choses. Et en gros, donc ça, c'est juste le nom du composant. Et pareil, à chaque fois, en fait, ce qu'on va, on, on va juste écrire de l'HTML ici. C'est pas exactement de l'HTML, mais ça ressemble vraiment. Donc euh, à l'intérieur du div, on va, on va écrire euh, n'importe quel HTML qu'on veut. Donc euh, on va dire par exemple qu'on a H1 H1 qui s'appelle euh, voilà dans lequel on a le texte header et donc voilà dans header.jsx on a donc c'est un composant composant header dans lequel on a le titre header maintenant euh, voilà si on rafraîchit la page euh, c'est toujours pas c'est toujours pas dessus parce qu'il il va falloir qu'on l'importe il va falloir qu'on l'appelle dans app.js donc on va vraiment l'importer comme ça hein. importe le nom du composant header et là, le chemin, donc, on va dans components et ensuite on va chercher header. Voilà, pas besoin de mettre le .jsx. Et maintenant, à l'intérieur du div, on va donc pouvoir placer le composant header. Pour ça, on va ouvrir la, ouvrir une balise header. Voilà, il sait ce que c'est vu qu'on l'a importé ici. Et ensuite, on referme de cette manière. Donc, il n'y a pas de balise ouvrante et fermante pour les composants, c'est juste une seule balise comme ça. Et donc, maintenant, on a bien le header qui s'affiche parce que on a mis donc notre titre. On l'a mis dans le composant header. Composant header qu'on a importé et donc ajouté à app.js. Et donc ça s'affiche maintenant sur la page. Voilà. On peut mettre également du texte directement là. On peut mettre, euh, voilà, header 2. Et il va aussi s'afficher. Mais voilà, on va essayer d'utiliser React euh, au, au maximum. Donc on va se servir du concept des composants. Donc voilà, premier composant, on a pu afficher notre texte. C'est cool. Voilà, donc on ne va pas s'arrêter là. Donc là, le concept du site qu'on va créer. Voilà, pour ceux qui connaissent la chaîne depuis un petit moment, vous connaissez ma passion pour le poulet. Donc, euh, voilà, chicken.jsx, et voilà, on a créé un composant chicken. À l'intérieur, on peut mettre, on va écrire chicken, on va voir si ça s'affiche. Pour l'instant, non, vu qu'on ne l'a pas encore importé ici, dans app.js. On va l'importer. Importe chicken, et là vous voyez, il l'a repéré direct, donc on peut avoir le petit raccourci. Et maintenant, on va l'appeler donc chicken, on referme. Et on sauvegarde et ça rafraîchit automatiquement. Et là, on a bien notre chicken. Maintenant, on va rajouter un peu de style. Donc le style, on a toujours du, du CSS comme à l'ancienne. Et on peut voir que index.css, il est importé ici. Dans index. En fait, dans index.js, on a app.js. Si on contrôle-clique là-dessus, on voit que ça nous mène bien au 1.js. Donc dans index, on a app et dans app on a tous nos composants. Mais du coup, on va juste, on ne va pas les apporter directement dans index. On va bien passer par app.js. Là, notre index.js il est bien porté donc maintenant on va on va juste se servir d'un seul fichier css parce qu'avec React on va commencer à faire plusieurs fichiers CSS mais pour l'instant voilà ça, ça change par rapport à avant mais pour l'instant on va conserver juste un seul fichier et ce sera plus simple comme ça donc si on retourne sur ce qu'on a fait pour l'instant on a euh, header d'ailleurs on va aller plus vite on va pas laisser un div ici on va juste dire que c'est un euh, une balise header voilà maintenant on va mettre text align center donc voilà, ça c'est du CSS, on connaît. On va même mettre en, en majuscule. Et vous savez quoi, on, me, on va même pas juste réécrire ça, on va, va servir du CSS. Donc texte, transform, uppercase. Incroyable. Bon voilà. Par contre, on va enlever toutes les marges, etc. On va padding 0 et margin 0. Ça, on va l'enlever. Ça, on s'en fout. Il y a toujours plein de trucs au départ, mais là, on, on s'en fout. Voilà, maintenant qu'on est là, donc chicken, on va pouvoir en faire quelque chose d'un peu plus complexe. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord ajouter euh, une image. Voilà, une image euh, de, de, de poulet. Ensuite, on va mettre un euh, titre. On va mettre un H3. Et ensuite, on va mettre euh, un, un petit texte en dessous. Donc, on peut mettre euh, un P. Voilà. Donc, là, imaginons qu'on recherche poulet. Il n'y en a pas un au marron J'en ai vu un au marron tout à l'heure. Ah oui, il est là. Bon, voilà. Euh, tac. Copier l'adresse de l'image. On peut mettre ça dans source. Voilà. Si on revient ici, on a bel et bien, donc, Vu que Chicken a été importé, je le rappelle, il a été importé donc dans A.js. Donc, on a bien notre, euh, notre image. En titre, on peut mettre poulet au marron. Et ensuite, euh, un petit texte en dessous, on peut mettre... Euh, voilà. Et donc, on voit bien que c'est affiché également sur notre page. Bon, maintenant, le truc, c'est qu'on va mettre plusieurs images de poulet. On ne va pas simplement l'importer dans A.js. On va d'abord passer par un autre composant. Donc, on retourne dans notre dossier composant. Et on va créer une collection. Et voilà. Donc euh, pour revenir à notre métaphore d'Instagram, c'est un peu comme si chicken c'était le poste et collection c'est le feed. Donc ici on va simplement ajouter chicken, voilà. On l'importe dans collection et collection on va l'importer dans a.js. Donc au final on aura bien nos images de poulet. Donc chicken par contre chicken il ne le connaît pas donc il va falloir qu'on l'importe chicken from chicken, voilà. Et a.js donc déjà celui-là il n'en a plus besoin mais on va remplacer, on va mettre à la place collection. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir l'ajouter à la page collection. On referme et voilà, on voit que ça apparaît toujours. Donc, ce qu'on a fait, c'est que sur la page, on a ajouté collection. Et vu que dans collection, on a chicken, bah, au final, on retrouve bien notre image, etc. Et ben voilà, maintenant, on va pouvoir s'amuser. On peut rajouter plusieurs poulets. Et donc là, on a bien notre poulet. Bon, par contre, comment on va faire en sorte de les différencier Parce que là, on ne voit pas juste tout remplacer. Ça le remplacerait pour les, les trois poulets. Donc, ce qu'on va faire. On a bien nos structures de base, c'est-à-dire une image, un titre et un texte. Par contre, les informations donc, qui vont être euh, uniques à chaque, euh, à chaque poulet, c'est le lien de l'image, le titre et euh, aussi le, le texte en tout. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ces trois choses, on va les appeler donc à partir de ce qu'on appelle des props. C'est-à-dire que là, pour le premier chicken, on va avoir donc img égal et là on va mettre une valeur. Ensuite, on va avoir... Title égale une valeur. Ensuite, on va voir caption. Donc, ça, c'est le P. Une valeur. Le lien ici, on va l'enlever. On va le passer dans IMG. Le titre, pareil, on le met dans title. Et le texte, on le met dans caption. Et donc là, ce qu'on dit, c'est que dans le composant collection, on va avoir des sous-composants. Donc, euh, chicken. Et ce composant chicken, il, il prend en compte trois variables. Parce que l'épreuve, c'est des variables. Donc, on a img, title et caption. Et à chacune de ces trois, euh, de ces trois variables, on attribue une valeur. Et donc, c'est pareil pour les trois d'en dessous. Les trois d'en dessous aussi auront chacun leurs props. Par contre, on va pouvoir remplacer ici. Tout simplement, on va pouvoir remplacer ici pour l'image c'est ça. Par contre, pour celui d'en dessous, on aura un autre lien d'image. Ensuite, title, etc. Bon, voilà. Donc là, on lui passe les props à chicken. Donc voilà, il sait qu'il va afficher le composant chicken avec en prenant en compte que euh, img égale... Euh, voilà. Donc là on lui donne des variables, c'est bien, mais comment il les récupère Il les récupère grâce aux arguments ici, aux paramètres. Donc on va mettre des accolades et ici on va appeler img, title et caption. Donc avec ça on lui passe les props et avec ça lui il les récupère. Et maintenant on va pouvoir les afficher. Donc dans H3 on va mettre title. Par contre le truc c'est que si je le mets comme ça il va prendre en compte que il va réagir comme si c'était juste du HTML. Donc il faut le mettre entre accolades. Pour qu'il voit bien que c'est euh, du JavaScript, que c'est quelque chose de dynamique, comme quand on avait euh, les chaînes de caractères avec le, les, les guillemets comme ça, et qu'on mettait ensuite euh, le dollar, etc. Pour ceux qui s'en souviennent. Mais voilà. Donc on met ça en tracolade pour dire que c'est bien une variable, que c'est pas juste du texte HTML. Là c'est bien euh, du JavaScript, c'est bien quelque chose de dynamique. Voilà. Et en l'occurrence, si le met en orange, il a bien retenu que c'était le propre qu'on lui a passé à partir de euh, bah de voilà, de nombre de, depuis collection donc on fait pareil pour l'EP caption et pour src, bah on va enlever les guillemets et on va mettre img et là on voit que ça nous l'affiche on est bon, donc ce qu'on a fait c'est que dans app.js on a euh, le composant collection collection qui, com qui comporte nos trois poulets et donc pour ces trois poulets, on va définir img, title et caption qui vont être récupérés ici et qui vont correspondre respectivement au lien de l'image au titre et au texte du coup on a juste quand on va appeler donc euh, tel composant à remplacer img title et caption et ça va nous remplacer l'image le titre et le texte voilà j'espère qu'on comprend à peu près si vous avez des questions n'hésitez pas à poser ça en commentaire et puis on va refaire pas mal de projets de toute façon pour maîtriser un peu mieux toutes ces notions maintenant on a notre poulet on va pouvoir s'amuser on va pouvoir simplement aller récupérer euh, une autre image on peut prendre ça par exemple afficher le fichier là on va prendre l'adresse de l'image on va mettre ça à la place de img ici au lieu de marron on va mettre aux oignons on remplace le texte et voilà là ce qu'on s'attend à voir c'est euh, voilà à la place du deuxième poulet on s'attend à voir donc le poulet aux oignons etc et effectivement c'est bien ce qui se passe par contre on voit qu'on va devoir régler un peu le style mais on a bien donc notre deuxième image il a bien remplacé poulet aux oignons etc et donc pour le troisième si là on met poulet ou je sais pas quoi aux patates on a bien poulet aux patates ici. On va essayer d'en trouver un. Là, on en a un, parfait. Copier l'adresse. On replace donc le propre IMG. Titre, on l'a bien remplacé. Caption, on va mettre notre texte. Et voilà. Et donc, pour le troisième poulet, on a bien poulet aux patates. On a bien notre troisième image. Donc voilà. Donc pour récapituler, on a app.js. On appelle le composant collection. Dans collection, on appelle trois sous-composants auxquels on attribue donc des props, qui sont donc des variables qu'on met donc euh, à l'intérieur de la balise, et ensuite lui il va les récupérer dans ses arguments. On met des accolades ici, parce qu'à la base c'est un objet, mais on ne va pas trop détailler, mais euh, voilà. En tout cas, on met bien des accolades, il ne faut pas les oublier. Et ensuite, on va pouvoir récupérer donc ces variables, pour les mettre euh, à l'intérieur de, de, de notre HTML. Bon, ça s'appelle du JSX, en réalité, à l'intérieur du JSX, mais on voit que c'est à peu près comme le HTML. Simplement, on peut mettre maintenant euh, de, nos variables, qui sont en l'occurrence nos propres, ce qu'on a récupéré, de collection. Et, et voilà. D'ailleurs, même le Alt ici, hein. on pourrait mettre par exemple euh, le titre, Title, et voilà. Donc Alt, c'est ce qui s'affiche quand l'image n'a pas été trouvée. Quand il mets le petit icône d'image, et ensuite il met le titre à côté. Wow. Bon, voilà. Donc maintenant, on peut aller faire le style. Donc index.css. Donc on va rajouter euh, ici des classes pour les identifier. Donc classe en JSX, ça se dit class name. Voilà, petite nuance. On va appeler ça donc euh, chicken. Ensuite, pour image, on va mettre aussi une classe. Là ce sera chicken, on peut mettre tirer du bas img. Ensuite, on va mettre ça pour le H3 également. Chicken tirer du bas title. Et pour le P, chicken tirer du bas caption. Donc caption, c'est une légende. C'est le petit texte qui a écrit en dessous d'un titre généralement. Maintenant, voilà. Donc chicken, déjà, on va lui donner une largeur constante à l'image aussi. Parce que l'image, on n'a rien à faire qui est une largeur constante à l'image aussi. On va mettre 500 pixels. Ensuite, chicken, on va en faire un flexbox, display flex, on va en faire, voilà, colonne, on va tout centrer, center, align items, center, voilà. Maintenant, euh, à l'intérieur de chicken, maintenant, on va faire en sorte que chicken lui-même soit centré. Donc déjà, pour lui distinguer, on va lui mettre une couleur de fond, wet smoke, là. Ensuite, on va le centrer, margin. On va donc les espacer de euh, 30 pixels. Et là, on va mettre auto, et oui, auto pour qu'il puisse être centré donc horizontalement et voilà maintenant border radius on va mettre 5 pixels padding 25 0 donc 25 c'est en haut en bas 0 sur les côtés title on va mettre font size xxl on va mettre des marges pour le header aussi on va mettre des marges on va mettre margin donc en haut en bas on va mettre euh, 10 pixels et sur les côtés bah sur les côtés on en a pas besoin il est déjà centré euh, de toute façon avec euh, texture align center et voilà, comme on peut le voir, on a bien donc euh, notre composant header, notre composant. D'ailleurs, on peut le voir ici, hein. avec l'extension React Developer Tools, encore une fois. On va aller donc CTRL MAGI, on va voir dans Components. Et là, que, que voit-on On voit bien que dans App, on a d'abord header. Donc header, là, c'est bien, euh, bien notre header.jsx, on est bon. Ensuite, on a Collection, Collection. Donc c'est tout ça. Et à l'intérieur de Collection, on a bien des sous-composants encore. On a Chicken. Donc 1, 2 et 3, on va dézoomer un peu. Donc voilà, chicken, chicken et chicken, le troisième. Donc voilà. Donc là, vous voyez qu'on a toute une arborescence, toute une bonne structure au moins. Le site est bien structuré. Donc voilà, c'est l'intérêt de, de React. Pouvoir faire des structures efficaces. Pour faire créer des composants. Pour ne pas avoir à remettre la même structure plein de fois. C'est-à-dire que là voilà, dans Collection, au lieu d'avoir à réécrire euh, qu'on a un div, IMG, H3, etc., on a juste à remplacer. Euh, les trois différents props qui vont être récupérés ici et puis ajoutés ensuite dans le jsx donc euh, dans euh, l'html et voilà et ensuite à la fin le navigateur se retrouve avec euh, un bon fichier html on retrouve bien donc euh, ici id route c'est bien ce qu'on a si on va dans public index.html on a bien route et on voit bien que c'est ce qui est rempli par index.js ici route il est bien récupéré donc bref on se retrouve bien avec notre euh, route et en l'intérieur on a bien le header, voilà, hein. si on va dans header.jsx, c'est bien ce qu'on a mis. Une balise header, on retrouve bien ça ici. Ensuite, div. Il correspond normalement à celui-ci dans collection. On peut voir ça. Hein. Si on met class name, collection, on rafraîchit. Et là on voit bien, effectivement, c'est bien ça. Class collection. Et en intérieur, on a bien nos trois chicken. Donc on peut le voir donc, dans, le, dans le HTML. On peut le voir dans nos composants. Et, euh, et voilà. Hein. Donc on a bien réussi à créer notre premier site avec React. Donc on a vu comment créer un composant. On a vu comment récupérer les props qui sont donc des variables. On met la valeur donc au moment d'appeler le composant dans la balise et ensuite on les récupère dans les paramètres. Ensuite on les met au milieu du JSX entre accolades et comme ça on se retrouve bien avec un bon site efficace. On n'a pas eu à réécrire 3000 fois la même structure. On crée une seule fois de Chicken et ensuite c'est fait. On n'a plus qu'à remplacer les props et voilà. Donc là, on l'a fait à la main. On a mis IMG, on est allé nous-mêmes coller un lien, on a nous-mêmes mis le texte. Plus tard, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exécuter une requête API. Pour ceux qui ont suivi le tutoriel sur les API, ensuite, donc, on va avoir accès à un objet et depuis cet objet, on va récupérer des liens d'images, des titres, etc. Donc tout ça, ça se fera juste avec un API. On aura juste, à partir de l'objet qu'on qu va recevoir, afficher donc les différentes informations. Et donc tout sera à peu près automatisé. Mais pour l'instant, on le fait, fait encore à la main. On ne va pas rajouter les, les API pour le premier tutoriel React. Donc voilà, on le fait à la main, mais plus tard, on n'aura pas title égal euh, entre guillemets machin. On aura title égal, euh, voilà, le nom d'un objet, euh, point title par exemple. Et donc tout ça, ce sera fait automatiquement. On va récupérer un API. Euh, donc on va récupérer un objet. On va récupérer des informations depuis une base de données, etc. Ce sera vraiment intéressant. Ça arrive donc dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. En attendant, voilà, on a pu faire notre premier site notre premier site euh, en React. Donc là, si vous voulez ajouter un autre poulet, vous avez juste à copier-coller ça. Et là, on se retrouve de nouveau avec notre composant Chicken. Et une fois de plus, vous avez compris le principe. On remplace le lien d'image, euh, le, li le, le titre, l'image, euh, le, le texte. Et tout ça, ce sera récupéré ici. Et il va nous faire un, une belle image de poulet, etc. Donc, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère que vous aurez pu à peu près comprendre comment fonctionne React. On va voir donc pas mal de tu prochains tutoriels pour euh, approfondir l'utilisation de React, etc. En attendant, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin de la vidéo, et abonnez-vous pour voir les prochains lives qui aura très bientôt, donc sur React, et plein d'autres choses, et euh, à très vite.